allons maintenant parler de Johnny Hallyday. Bon, je sais que je vais décevoir un petit peu les fans, mais quand on crée le top en 1984, côté tube, ça va pas très fort pour Johnny. Heureusement, il y a la rencontre avec Michel Berger, l'album Rock'n'Roll Attitude et cette chanson magnifique, Quelque chose de Tennessee. 2 ans après, c'est Jean-Jacques Goldman qui écrit l'album Gang. Et dans Gang, il y a certainement une des plus belles chansons de notre répertoire qui sera classée 5e du top au mois d'octobre 1987. Souvenez-vous, Je te promets. Et pour justement chanter l'une des plus belles chansons de Johnny Hallyday, voici votre Jean-Luc Lahaye. Je disais la star des années 80, les années 80 c'est votre décennie. Racontez-nous la
petite anecdote de femme que j'aime. Comment a débuté cette chanson? Comment elle est née, cette chanson? Cette chanson est née à Feu Rouge, rue de Rivoli. J'étais à moto, comme d'habitude, et il y avait une petite Austin qui s'arrêtait de feu en feu. J'avais remarqué qu'à côté du volant, il y avait une ravissante passagère blonde. Et j'ai fini par lui faire un peu la conversation. En fait, il y avait trois filles dans la voiture. Et puis de feu en feu, on a fini par taper un peu la discute. Et j'ai fini par lui mentir en disant que j'étais chanteur. En fait, je voulais chanter. Je n'étais pas encore chanteur, parce que j'avais 20 ans, 21 ans. Et puis finalement, j'ai dû leur paraître sympathique. Elles m'ont invité à suivre l'Austin. Et je me suis retrouvé dans un studio d'audition face à elles. Et j'ai découvert que c'était des filles qui avaient fait des tubes immenses pour d'autres artistes. Grand producteur, en fait. Oui, trois grandes productrices en vérité. Bon, avec la blonde, il ne s'est rien passé, mais elle m'a offert Femme que j'aime. Vous, les soirées, ça vous connaît, parce que les années 80, évidemment, on s'en souvient, mais il me semble que dans les années 90, tout début des années 90, fin 80, vous êtes parti au Japon, vous n'avez pas ramené quelque chose du Japon pour faire la fête? Oui, tout à fait, je suis parti au Japon pour présenter mon livre en japonais, et je suis revenu avec l'idée du karaoké fin 89. C'est ainsi que j'ai lancé le karaoké en France. Ici, on vous voyait discuter avec Émile et Image, derrière vous, Mario, qui était là. Il y a une bonne ambiance, on vous a vu cet après-midi aux répétitions. Il y a une bonne ambiance entre vous, on a l'impression que vous n'êtes jamais quitté, en fait. En fait, on s'est bien retrouvés, surtout. Et je les adore.